Hey, salut mes amis, qui j'en ouye, c'est Dengel Santé qui rentre la KO avec une nouvelle vidéo. C'est un réel plaisir pour moi servir ou pour me porter une nouvelle vidéo pour. Bienvenue avec toutes nos voix abonnés, nous et merci avec toutes anciennes. Aujourd'hui, nous venons parler de un nouveau sujet qui est vraiment important pour mesdames, qui c'est ovaire polykystique. Est-ce que tu connais femme qui a un petit bab dans le visage, un bab menton, un petit moustache, plein dans fond tête, c'est un signe de kyste dans ovaire lié? Eh bien, pas oublier mes amis, moi invité nous garder sujet ça ensemble avec moi et on profite à tout remet gain acné dans visage li j'en a regardé là. Alors, pas oublier abonner avec channel là, quitter un commentaire, OK? On aller dans vidéo. Pour commencer mes amis, laisse-moi vous dire un peu de syndrome ovaire polykystique ou bien on peut dire aussi SPOC. Le syndrome des ovaires polykystiques, c'est quoi? Le SPOC ou syndrome de Stein-Leventhal se manifeste par la présence de nombreux kystes ou de petites tumeurs bénignes qui se développent au sein des ovaires. Deux ovaires n'ont pas gardé sur le côté gauche, c'est ovaire polykystique et l'autre deux, c'est ovaire qui est normal. Qui t'aime faire nous connaître, une fille qui a toujours gagné un pile plim dans le col depuis qu'elle pousse un côté qui est normal. En plus, plim qui est normal, quand une fille est toujours épais ou bien, et toujours touf, ça veut dire toujours et fourni. En pile fois, c'est depuis l'air ou petit, ou bien. Plim ça ou toujours pousser dans le pied ou dans le bras ou, et tout, gagne qui a gagné un pile par foutin. Ça pas un problème, mais. Gè kote plim nan pa dwe pousse ka yon fi tankou lè li gen pil bab, lè li gen pil moustache, plim bo kuis, plim nan poitrine ni, nan doli, etc. Jen ap gade demoiselle sa la. Rezon ki fè plim sa yo pousse de fason anormal ka yon fi, se paske sa liye a yon tou hormon mal, sa vdizi hormon gason. Pour les gens qui ne connaissent pas sacrer l'hormone, l'hormone c'est une substance qui est libérée dans le corps, qui est en cours un messager qui peut agir à distance, souvent sur l'autre organe, côté l'agent lui-même, à bailler une réponse. L'hormone ça a sécrété pour la majorité des glandes. En nous liant ensemble avec moi, traitement naturel et en nous entendant qui ça a dit de traitement médicamenteux. Nous supposons gagner un mode de vie sain et une alimentation équilibrée. Pour le traitement médicamenteux, OK, il y a pour objectif et de régulariser le cycle menstruel, de diminuer la croissance des poils et de la tendance acnéique. Pour traitement chirurgical lui-même, en aller, OK. L'approche chirurgicale consiste à retirer au laser la partie superficielle des ovaires. Traitement naturel ça est très efficace, ou pas de moyen pour prendre médicament ou même ou capable de passer par méthode ça. En nous garder tout traitement ensemble. Voici comment traiter un kyste. Prends le clou de girofle en poudre et le gingembre en poudre. Fais le mélange des deux. Tu prends une cuillère à soupe de ton mélange, tu mets dans un litre d'eau chaude. Tu bois demi-litre matin, demi-litre soir. Le fait de l'oreiller en infusion, buvez demi-verre matin et soir. Et après, les kystes vont disparaître pour faire place à la grossesse, mes amis, OK? Ma sœur, si tu as le fibre, on dit bye bye à ton problème. Prends les feuilles neuves du goyavier, tu fais bouillir ça pendant 15 minutes. Tu bois ça comme ton thé, matin et soir. Après deux semaines, va à l'hôpital, tu vas faire tes examens et tu viens témoigner ici. Bon guérison à toi. Bisous.